T'as toujours été un peu spécial, Christian. Ouais, je dirais créatif comme personne. C'est étonnant les histoires que tu te racontais quand t'étais petit. Moi, je me disais que t'avais tout pour devenir un écrivain de talent, je t'assure, Christian. Quand t'étais petit. Quand t'étais petit, t'avais un fidèle compagnon que tu quittais jamais. C'était Snoot, tu te rappelles de Snoot? Il n'existait pas. Et pourtant, vous étiez toujours ensemble, toujours d'accord sur tout. Et s'il y avait quelque chose que Snoot n'aimait pas, alors tu l'aimais pas non plus, il n'y avait rien à faire. Mais mon cher Christian, il est très important de distinguer la fiction et la réalité. Et ça, je crois que ça a toujours été un problème pour toi. Je comprends très bien que tu puisses te fâcher avec ton père de temps en temps, ça m'arrive aussi à moi. Mais c'est des choses que vous devez régler entre vous. Et raconter des histoires, comme tu l'as fait ce soir. Même si c'est un récit fort captivant, ça je t'assure, ça l'a été. C'est quand même allé un peu trop loin. Tu sais, Christian, je pense que Snoot, il était tout près de toi ce soir. Je pense que vous avez fait de la peine à ton père. Alors il serait bienvenu que tu te lèves maintenant. En laissant Snoot à sa place. Et que t'ailles présenter des excuses à ton père. Parce que ça peut pas faire de mal que de faire des excuses. Et tu verras. Tout va bien se passer. Tu peux te lever, Christian. Christian, lève-toi.